Il lâche pas sa proie, les Panewit. Si Coué est terminé sur le service de Nicolas Escudé, eh bien, il ne va pas se gêner. 15-30 et Guy Forget évidemment tendu là, Guy, mais sur cette fin de troisième set, à chaque fois il court après le score, y compris sur son service. Ouais, 30 à. Il a un peu une nature à influencer le juge Guy quand même, oui. Il essaye toujours de le regarder pour lui dire elle est vraiment bonne. Bien bloqué, impeccable. Ouais, et en plus ils sont australiens évidemment les juges de ligne. Bon, 40-30. C'est pas simple, Guy qui ouais, félicite et encourage encore plus à Nicolas. Allez, 5-3. Et s'il prenait déjà ce premier point, Nicolas, excusez. Ce premier point, on verra. On va commencer à faire plus frais là en bas, car Guy vient de mettre en veste de survêtement. Devrait être mieux tenu, plus prolongé pour que la balle soit mieux portée. Bien joué. Oh, il devient fou. Il devient fou, ouais. Ah, il ne lâche pas le morceau, non, il le tient entre les dents. Cette double faute, une excellente première balle pour conclure la troisième manche et mener maintenant 2-7 à 1. Ça va être difficile, mais il y a encore une possibilité. Et l'ambiance monte, hein, là, l'Australien s'en derrière, on voit à 200%. Ça, c'est sûr que le moral est là pour l'Australie. Mais je crois que l'excusé est meilleur quand il est en situation. Challenger, c'est d'être mené, ça lui arrive assez souvent de revenir très très fort quand il est un peu en retrait. Donc on peut toujours lui faire confiance. Il a retrouvé sa première balle, et Tony Witt, vous voyez, 65% de réussite. Beaucoup de double faute de chaque côté. Plus de points gagnants du côté des Scudé, mais plus de faute. Le double par rapport à son adversaire. Yeah.
tout le commentaire est fait par lui. Teddy. J'espère que personne ne dira qu'on entend ses commentaires, parce qu'ils vont nous faire enlever le micro, ça serait dommage. Hein. Oui. Le contre-pied de Hewitt, c'est des excellents retours. Et les passings. Personne avec qui il est fébrile. Ok, il y a pas mal de gens là qui découvrent un Guy qu'ils ne connaissaient pas. Il mouille. On arrête. Putain, un brandé. Allez, 2-1 pour l'Australie dans ce premier match. Nicolas qui va servir le premier dans cette quatrième manche et qui. Espérons-le, on aura la possibilité d'avoir l'avantage de faire la course en tête dans ce set. Le soleil est revenu. L'herbe s'en charge, elle la prend et elle en fait ce qu'elle veut. Voilà, tranquille. Bon, ça soulage quand même de marquer les deux premiers points sur son service. Et c'est bien qu'il écoute son capitaine. Bien placé, il était remarquablement placé pour ce smash. Pas besoin d'attendre le rebond. C'est sûr que quand on est à 30-0 sur sa mise en jeu, ce genre de coup on peut jouer beaucoup plus détendu. 40-0 et jeu blanc, impeccable. Le premier. Maximum de ce que l'on peut donner, quitte à être un peu euphorique.
trop tard. Avec Jean-Paul de temps en temps des services à 180, 179, bah voilà, on arrive à faire un service gagnant, quoi. C'est pas la peine de servir à 200 à chaque fois sur gazon. Heureusement qu'il est dans un kilomètre et pas en miles. D'ailleurs, c'est étonnant, les Australiens utilisent le système métrique. Ça, c'est une tradition de culture britannique, conduit toujours à gauche. C'est 27.
C'est bon. Cédric, un petit mot sur ce match qui a démarré difficilement pour Nicolas, mais là, ça a l'air de bien venir. Oui, c'est un petit peu des hauts et des bas. Je crois qu'il a visiblement un problème de pourcentage au premier service. Et évidemment, il se retrouve dans des conditions difficiles derrière pour effectuer ses premières volées. J'espère qu'il va arriver à régler ce problème parce qu'il est mené de 7 à 1. Mais on est confiant, on pense qu'il devrait y arriver. Il y avait un peu plus d'agressivité hein, dans le jeu de Nicolas, surtout dans le set qu'il a remporté. Ouais. C'est ce qui lui manque peut-être. Oui, je crois qu'il faut qu'il tente peut-être un petit peu plus sur les services de Hewitt. Du fait que Hewitt reste au fond, donc je pense que c'est une bonne chose. Quitte à rater, autant prendre des risques et essayer de faire le point. Merci. Merci Michel, merci Cédric, qui a le même discours hein, que le capitaine. Prendre des risques, tenter le tout pour le tout, histoire de ne pas avoir de regrets. Et comme j'aime bien quand Cédric dit « on est confiant », c'est toute l'équipe qui parle. Il la joue quand même presque en demi-volée hein, en coup droit, c'est étonnant parce que elle est longue la balle. Il vient peut-être de trop loin, mais elle est superbement jouée sa balle.
cette belle volée. Même quand il sert bien, il arrive à les filer des retours dans les pattes. Ouais, parce que c'était bien.
bien servi, c'est vrai. Je sais pas si... Quelle précision de placement.
donne la possibilité d'engager le frein et éventuellement de le gagner derrière. Ben voilà. Et Nicolas Escudé a bien mis en application ce qui lui a été dit. Il bouge sur ses jambes avant que la balle de service de l'adversaire ne lui parvienne. Allez, il ne faut pas l'oublier, recommence. Voilà. Et le premier point, c'est pour lui, Jean-Paul. Ça fait du bien, ça. Ça fait du bien. Ah yes, un ace impeccable. Bien joué ça. Ah oui. Nicolas Escudé sur cette deuxième balle avec non seulement un retour remarquable mais qui était suivi en plus si jamais Nathan Hewitt touchait cette balle. Il était bien présent à la volée le français. Deux balles de break pour mener 5 jeux à 3. Il vaut cher ce point, il est à 100% de réussite pour l'instant dans ce domaine. Nicolas Escudé, une balle de break et il avait réussi. On va voir là maintenant ce que ça va donner. Ah, bien servi. Il en reste une. Qui doit pas tellement penser au double de demain. Il est...
partout pour venir vous voir. Fabrice, ça va bien là hein? Oui, ça va bien, surtout que maintenant on est à 2-7 partout, Scud est bien revenu, j'ai l'impression qu'il sert mieux. Et c'est le moment vraiment de prendre l'ascendance sur E8. Il y a une ambiance formidable dans cette équipe de France, vous y croyez vraiment jusqu'au bout hein? Oui, on y croit bien sûr, on n'est pas venu là pour participer mais pour gagner et on y croit très fort, et si Scud pouvait rapporter ce premier point, ça serait vraiment très important pour la suite du week-end. C'est une grande performance contre le numéro 1 mondial. Sans aucun doute, être à 2-7 partout c'est déjà une belle résistance, mais il n'est pas loin de faire basculer le match et j'espère qu'il va y parvenir. Un petit mot de la surface. Vous la voyez, comme moi, elle est de moins en moins verte et de plus en plus couleur paille. Et de plus en plus difficile à jouer. Merci. Merci. Et il a raison, Fabrice Santoro, de dire que si Scud pouvait gagner son match, il aurait mis qu'il préfère basculer. Basculer. Puis il est tellement persuadé que Scud peut gagner, il s'est repris, il a dit s'il. Il y croit, mais pour pas être. Ils ont une portée malheur, il se retient un peu dans ses déclarations, mais tout le monde y croit. Tout le monde y croit, car il ne faut pas oublier que Nicolas Scudé, on l'a abordé avant que Michel nous appelle avec Fabrice, et aime finalement ce genre de choses. Il va au bout de son émotion, au bout de ce qu'il peut donner. Et comme là, on le sent de plus en plus relâché, de plus en plus dans le match, de plus en plus au point. Et au fur et à mesure, il gomme les handicaps qu'il s'était donné. C'est-à-dire qu'il ne servait pas bien au début de set, mais non, il sert très très bien. Il est plus présent, il donne moins de possibilités à Hewitt de le scotcher sur ses passings. Avec une magnifique osmose entre Guy Forget et lui, parce que là, vraiment, sur ce match, je crois que Guy a fait très très fort. Hein, parce qu'il fallait le récupérer, Nicolas, il était ben là où on est de temps en temps quand on n'est pas bien, quand on joue contre le numéro 1 mondial, quand on joue en finale de Coupe Davis, avec cette pression-là. Puis là, tous les deux, ils ont fait the best job. Ce cinquième set, c'est le set des hommes. De toute façon, ça va être exactement ce qu'on aime en Coupe Davis, Jean-Paul, de l'émotion forte. Cinquième set donc, avec pour commencer à servir Leighton Hewitt, le numéro 1 mondial. Position
Non, ça c'est le set précédent, les points du set précédent marqués par Nicolas Esculier. Encore une grande facilité, vous voyez, du français au filet. Position idéale maintenant pour le français, il faut qu'il tienne. Vous le disiez tout à l'heure, il est généralement très fort quand il faut recoller au score, mais il faut qu'il nous montre qu'il est fort aussi lorsqu'il est devant. Ça, je dois dire que pour breaker après avoir fait le quatrième set, il faut être bon. Non. Thank you.
gigantesque, c'est somptueux. Somptueux. Il est monté dans son dos. J'ai rarement vu quelqu'un monter sur le retour de service en revers du côté droit du cours. Ça, c'est rare. En tapant la balle sur une ligne de couloir. Sur le cours en ce moment. Magnifique, là, ça joue un tennis extraordinaire parce que quand on voit la manière dont Hewitt a repris le service des Scudé avec ce qu'il servait bien le français et là maintenant la façon dont le français joue ce service à l'adversaire, c'est génial. Ça c'est l'homme de voler sur des coups qu'on va faire aux Européens ça. Oui. Oui. Ils adorent ça, le côté mystificateur du coup. J'ai servi.
l'accueil. Appuyez sur le bouton pour transférer et vos photos sont prêtes à envoyer par email ou à imprimer. La photo numérique n'a jamais été aussi simple. Nécessaire et voulu. La fin de ce match bien engagé pour l'équipe de France puisque Nicolas Escudé mène 2-1 dans ce dernier set et qu'il est au service. Dernier set lors duquel il y a tout de même 3 breaks de fait sur herbe sur les 3 jeux. Ça sort. Tout le court est inondé de soleil. Modifier la trajectoire de la balle. Là, il commence à se faire du souci, Fitzgerald, quand même. Oh là 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 là. Oh, alors, celle-là, elle est somptueuse, hein, Jean-Paul. Ça vous laisse sans voix, non? Je n'y croyais pas. Merci de me le rappeler. Regardez-moi ça. Extraordinaire. Ah, il peut pas mieux la jouer. Volée amortique, toujours gagnante. Sur herbe. 40-0. Servi, jeu blanc. Break confirmé. 3-1 pour l'équipe de France, pour Nicolas Escudé. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose pour l'équipe de France. Et pour la première fois, on a senti Hewitt moins sûr sur le retour. Jusqu'à présent, il avait toujours réussi à faire des choses extraordinaires. Et là, il a un peu raté. Si la fantastique confiance qu'il avait accumulée l'abandonne un peu, on a vraiment une chance. Secondes après.
bien servi. Voilà, Yuit qui remporte son jeu de service pour la première fois dans ce cinquième set. À dire évidemment maintenant du côté de Guy, puisqu'il suffit de rester sur ce que propose Nicolas, c'est-à-dire solide au service. Il le sent bien là, il n'en rajoute pas Guy, c'est parfait. Par les petites bananes au cas où. Ah, ça c'est important. Qualité de jeu là. Si SQD gagne ce match, il sera invaincu en Coupe Davis en simple jusqu'à présent. Exactement, 6 victoires pour l'instant sur 6 matchs. Il a gagné 2 fois 8-6 au 5ème set contre la Suisse. Bastels et contre Schulken, les Pays-Bas. Aïe, il reste dans la raquette. Ouais, trop détaché là. Pas suffisamment attentif. Les Français aiment ça, être challenger, être outsider.
Et pour l'instant, Nicolas Escudé est en passe de nous montrer qu'il faut y croire, que c'est possible de remporter une 9e Coupe Davis. Quand même, s'il la remporte ici, ça vaudra si elle gagnait contre les États-Unis à Lyon il y a quelques années. Et contre les Suédois à Malmö. Ah, oui, oui. Ouais. Enfin, on n'en est pas là encore. Non. Et ça aussi. Ouais. Bien distribué. 4-3. C'est vrai qu'on est un peu plus relax sur les services de Jouy. C'est un peu crispé maintenant à chaque fois que Nicolas sert. Ah, les ovations des doubles fautes maintenant.
maintenant les supporters australiens. Ouais.
Il est chaud ce jeu quand même. C'est chaud. Sur le coup droit, c'est bien. Allez, faute. Non, les fautes, ouais. Faute de peu. Ah oui, non, mais tout à l'heure, c'était du côté escudé que c'était faute de peu. Ouais. Ça a un petit peu tourné. Ça s'équilibre toujours dans une partie. Deuxième balle de 5 jeux à 3. Et de lâcher ses services comme il l'a fait depuis plusieurs jeux. Pas joué.
premier point à l'équipe de France. On y croit évidemment dur là dans le camp français. Alors moi je ne dis plus rien. Ah ben regardons ce qui va se passer.